Alors aujourd'hui, on va jouer à un de mes jeux inconnus préférés, Ghostbusters 2. En fait, New Ghostbusters 2. Donc, quand je suis revenu du Japon, j'ai amené, oui, le MSX avec Metal Gear, mais j'ai aussi amené Ghostbusters 2. Donc, c'est un jeu avec lequel je suis familier. Bon, il n'est pas paru en Amérique du Nord, il est seulement paru au Japon et en Europe. Mais bon, fait que vu que je suis familier, je vais quand même te céder ma place. Donc, à toi l'honneur, Giz, je te passe la manette. Non, Giz, garde, tu comprends pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Donc, tu n'es pas mort. Ah! Tout ceci n'est qu'une mise en scène. Fait que, voilà, tu peux la prendre pour de vrai la manette. Puis tu peux jouer. Bon. Toi. Yay! Hey! Ghostbusters! Giz est vivant! Giz est vivant! On est de retour! C'est pas important! L'important, c'est le jeu! Parce que le jeu, c'est sérieux! Bon, on... pas de même, comme toi. Mais je suis excité, ça fait longtemps qu'on a rien fait. Ça fait longtemps que t'es mort pis tout. Ça fait longtemps que t'es mort. Bon, on va jouer. On a joué entre Peter, Ray, Egon, Winston. C'est non, mais c'est l'un des seuls jeux. On peut jouer avec Louis. Louis, c'est le personnage de Mère Je suis le maître des clés. Je suis le serveur de la porte. C'est Rick Moranis. Donc, ouais, non, c'est drôle qu'on puisse jouer en tant que Louis aussi, mais c'est aussi un des seuls jeux. Du moins à l'époque 8-bit où on pouvait jouer en tant que Winston, donc le noir qui est évidemment pour les Japonais bleu. Bon, moi j'ai pris Peter. Ouais. Et Egon parce que bon, il a des lunettes, il me représente bien. C'est un nerd, puis il t'aime les nerds. Wow! Ok. Ouais, c'est ça, tu contrôles juste le personnage principal. Donc le personnage avec le pistolet, c'est Peter dans ce cas-ci. Mais le deuxième bouton va envoyer la trappe que Egon contrôle. Fait que Egon te suit, c'est comme un peu un assistant. Mais non, c'est quand même intéressant. Je trouve ça dommage que le jeu soit pas à deux joueurs par contre. Ouais, ça aurait été le fun ça. Ben, ça aurait été le fun vu qu'on est deux. Mais tant que t'as pas d'amis, c'est insultant. Ouais, non, je comprends. Fait que c'est quand même un système intéressant. Ce qui est quand même intéressant à noter, wow! C'est que c'est l'un des rares jeux qui suit quand même l'histoire du film. Donc c'est basé évidemment sur Ghostbusters 2 et on commence tout de suite dans le palais de justice. Bon, c'est pas exactement les mêmes fantômes que dans le film, on comprend, mais franchement, là, le scénario est quand même très bien respecté. Puis... Fait que finalement, j'ai bien compris, le Player 2, c'est un peu comme Tail dans Sonic, il peut pas mourir. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, il était avant-gardiste. C'est un jeu développé par HAL Laboratory. C'est ceux qui ont fait Kirby. Donc, c'est une compagnie qui a été achetée par Nintendo par la suite. Mais bon, c'est quand même drôle de voir Nintendo qui fait un jeu officiel Ghostbusters. Puis, je comprends pas d'ailleurs, parce que moi, personnellement, je trouve que ce jeu-là, Ghostbusters 2, The New Ghostbusters 2, est beaucoup plus amusant que le Ghostbusters 2 qu'on s'est ramassé, avec lequel on s'est ramassé. Ah, je suis pas d'accord. Ben, bon, faudrait Game Over déjà de temps avant. Giz, come on. T'es meilleur que ça les autres fois qu'on l'avait essayé. Ouais. Bon, attends, mais tu vas essayer de me rappeler comment il marche parce que à ce temps que j'ai dit ça, faut que je sois bon aussi. Bon! Fait que c'est ça, comme j'expliquais, moi personnellement, je trouve que c'est le meilleur jeu Ghostbusters qui existe sur Nintendo, du moins. Mais Ghostbusters... Hey, il avait disparu! Ouais, mais un fantôme invisible est un fantôme qui n'est pas ton ami. Ouais, effectivement. Mais là, tu t'es en train de m'ostiner et t'es en train de vouloir dire que Ghostbusters 2, la version américaine qu'on a eue, était quand même pas si mal. Ouais, il était pas tard. Objection, je suis pas d'accord, c'était de la merde. Tu trouves? Il y a 4 niveaux, puis non, c'était pas très bon. Ouais, peut-être que j'avais passé le premier. Je me souviens que tu commençais dans les sables. Ah là, c'était écrit la flèche à la parole. Ouais, mais je me suis dit, tu sais, peut-être que je pourrais aller à gauche à partir d'en bas. Mmh. Wow! La baignoire maléfique. Ça me faisait peur quand j'étais petit. En fait, il me semble dans le film, c'était mauve, puis il y avait comme du jus mauve qui sortait partout, puis c'était dégueulasse. Effectivement. Je sais pas pourquoi j'ai fait des cauchemars. Des cauchemars? Des cauchemars. T'as comme pété ta coche en faisant un cauchemar? Ouais, c'est comme des cauchemars, mais pire. Ah! Ouais. Pis non, j'avais vraiment peur. Ça, pis la peinture qui parlait. Là. Ben ouais, mais là, c'est pas mal. Le pire fantôme du film, mettons. Il était pas fait, hein? Ben non. Attention! Ah oui, c'est vrai! Ah! Game over! Ok, c'est sérieux. Ouais, là, faut être plus sérieux que ça, je pense. Bon, t'as Egon est invincible, t'as...
Oh! Quand même, on n'est pas... On peut dire ça, on est francophones, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ok, c'est bon, c'est correct, j'ai rien dit. C'est donc vraiment, en tout cas, un des... On a toujours dit que si c'est pas dans ta langue, c'est pas un sacre. Yish! Ouais, en tout cas. Pourquoi tu n'es pas capable d'attraper des fantômes? C'est drôle parce que c'est... On dirait que Slimer, c'est bon, le premier fantôme du premier film, Ghostbusters original, il est paru en 85. Puis, c'est devenu, dans les dessins animés, comme un personnage sympathique. T'sais, il était rendu gentil. Les dessins animés ont été popularisés justement entre les deux films. Donc, quand ils ont fait le Ghostbusters 2, ben là, soudainement, Slimer, on le voit, je pense, dans le milieu du film, il est sympathique avec justement Lewis, il fait une joke ou je sais pas trop. J'sais... Ça reste un fantôme, là, un fantôme. Un fantôme, c'est un fantôme, puis un. Ben, les fantômes, faut les chasser, fait que par chance que toi, t'en es pas un. Parce que j'aurais eu de la peine de devoir te tuer. Ouais, mais de toute façon, t'es mis dans une trappe, puis après ça, t'es sur dans un foyer pour fantômes âgés, puis après ça, il chill. Ah ouais, non, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, Slimer, est-ce que c'était un humain? Tu sais, les fantômes qui sont monstrueux, parce que c'est des fantômes qui ont l'apparence humaine. D'ailleurs, on va en croiser, là, tu t'approches du premier gardien du jeu. Okay. Les deux frères. C'est quoi, les deux frères Fratelli? Je me souviens plus. Il me semble qu'il y avait un nom. Un nom de Goonies ou quelque chose. En tout cas. Donc, c'est pour dire que ça respecte justement le scénario du jeu. Je pense qu'il faut que tu le tiennes avec ton laser plus longtemps, étant donné que c'est un super fantôme. Puis il va changer de couleur, puis là, c'est là que tu le trappes. Donc, tu le trappes pas? Ouais, c'est ça. Non, faut que tu le trappes. Mais faut que ton. Faut que Keegan soit assez prêt pour pouvoir le trapper. Vas-y, go! Ah! Go! Trap! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, là, je... Ah, merde! Je suis pas sûr, là. Mais voyons donc! Je pense que... Quand il devient rouge, je peux pas le trapper tout de suite, en ce cas? Hein? Ben là, oui. C'est supposé être ça. Ah ouais? Ben, il me semble. Wow! C'est quelque chose que je comprends pas, là. Peut-être qu'il faudrait lire les instructions que j'ai pas ramenées du Japon, qui sont écrites en japonais. Oh non! Ah, je vais essayer. Ben, Laurent, si tu y arrives pas, un triste. Oui. Je comprends pas pourquoi il y a des rouleaux de papier de toilette de même, putain. Ben, c'est pour s'essuyer les mains avant de rentrer faire sa prière. Ah! Wow! C'est vrai, faut... Ouais, c'est des chaises magnifiques. Magnifique, qu'on dit. Magnifique? Hey, t'as perdu les guns! Il est comme pogné! Hein? T'as perdu les guns! Ah non! Ok! Il était parti chiller, lui. Ben ça, faut tenir les deux boutons. Ah, les deux boutons! Oui, tu lâchais. Faut pas que tu le lâches, là. Et voilà! C'est réglé. Hey, je t'ai réglé ça en 2 secondes. Who's your daddy? C'est moi. Mais non. Round clear. C'est pas parce que tu es des fantômes que t'es mon père. Ben là, je suis peut-être Darth Vader. Ouais, d'ailleurs, Darth Vader qui appartient à Disney. Ouais. Pour le plus grand bonheur de... De Disney. Walt Disney. Non, de George Lucas, je pense, parce que avec l'argent qu'il s'est fait. Hein. Je pense qu'il se fait vieux, puis il était tanné d'avoir à gérer ça. Ouais. Mais bon. Ça pardonne rien. Mais de toute façon, là, on parle pas de Star Wars, on parle de merde, j'allais dire de Goonies. De Ghostbusters! Goonies! SOS yeah. Fantôme! C'est vrai que c'est visuellement quand même semblable à Goonies. Wow! Mais toi, le film, est-ce que t'es un grand fan? Là, oui, surtout le premier. J'avais tous les jouets. En fait, tu sais, les bonhommes là, que tu fais sous le bras, là, ben ça fait... Non, mais c'est ça c'est plus inspiré des dessins animés que ouais, du film. D'accord. J'avais aussi l'espèce de coccinelle orange qui se transforme en monstre vert. Ah oui. J'avais aussi Ecto. Ecto? Ecto. Ecto One? Moi pis les. L'auto. Moi pis les lettres. Des lettres et des chiffres. Consonne. Bon. Voyelle. Je trouve que. En tout cas, ils ont beau s'être inspirés du film, c'est quand même pas mal plus large comme métro. Voyelle. Wow! Le métro est pas mal plus vaste dans le jeu que dans le film. Mais je pense pas que c'est un métro, moi je pense que c'est une mine. Parce qu'il y a des mineurs. Ah c'est ouais! C'est un indice comme mais ça. Non, mais c'est peut-être pas des mineurs, c'est peut-être juste qu'ils sont en train de faire les tunnels pour le métro. Mais il me semble que dans le film, c'est un métro souterrain, non? C'est une traque de chemin de fer souterraine? Je me souviens. C'est pas clair, c'est jamais clair, les films. Bon. Ah!
Tu sais que la musique, ils l'entendent, t'as pas besoin d'en rajouter par-dessus. Non, mais. Je ne veux rien faire. Hey, c'est. Ah, ok, c'est comme. Faut prendre la bonne porte, sinon on tourne en rond à l'infini. Ah, ben c'est ouais. Ça. Tu dis mineur, c'est comme dans Windows. C'est drôle ma joke, je vais la répéter encore deux fois de ça à la fin du non, 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 c'est beau. On va la couper au montage, je pense. Hey! Hey! C'est toi qui fais le montage, non, oui, d'accord. Bon point. Bon, j'ai-tu fini, moi? Non, d'après moi, il doit y avoir un autre qui va arriver sur comme flèche. Je trouve ça quand même intéressant d'un jeu comme. Wow! De ce genre-là, où ce qui dit, hey, telle affaire, faut aller à gauche ou taille à droite, tu sais, c'est quand même un labyrinthe. Mais en plus, t'as comme une espèce de guide. Pis c'est rare, d'habitude, les jeux japonais, c'est supposé avoir compris. Hein. Pas supposé de te faire guider comme ça. Attention, wow! Attention, parce que les... N'oublie pas que à piocheur tombé de sa monture, la monture continue pour te tuer. Ah merde! Ta dernière vie, le niaise pas? Non, je niaise jamais. Des fois, j'ai l'impression que. Hey! J'ai failli le dire. J'ai l'impression que tu prends pas ça au sérieux. Bon, ouais, tu dis ça au gars qui a réussi à tuer le gardien, pas toi. Ouais. Wow! Oh. Ha! Moulu! Game over pour de vrai! On recommence-tu au level 2 ou. Je sais pas. Non, je pense que c'est game over. Ok, pour de c'est. Vrai. C'est... Continue là. C'est terminé. C'est hey, terminé! Juste curieux là. Juste avant qu'on. Non, je pensais que tu l'as joué en tant que Winston. Winston et Lewis. Non, mais ça changera rien. Mais je veux voir. Mais. Hey. Je me souviens pas que dans Ghostbusters que Lewis était apte à être un Ghostbusters. Ben, ça arrive justement ben ouais. Vers la fin. Dans Ghostbusters 2, à la fin, ils sont comme prisonniers du musée. Le musée est rempli d'une espèce de. De morve mauve durci. Puis là, Lewis arrive, puis il commence à tirer dans la porte, ça ne sert absolument à rien. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'à l'intérieur, ils sont justement en train de combattre Vigo. Le fameux méchant qui est dans la toile. Donc, une fois qu'ils finissent par le combattre, ben là, toute l'espèce de morve s'envole et le musée est libéré. Là, Lewis a l'impression que c'est lui qui a fait ça, il est tout content. Le pire, c'est qu'il avait son sou, c'est écrit Lewis dessus. En tout cas, c'est ridicule. Ouais, mais de l'autre côté, c'est écrit Ghostbusters 2. Sur ouais, t'as le 2, t'as le We're Back, pis ah non. Vraiment, là, ça paraît que c'était comme, on veut faire une passe de cash. Là, il parle de faire le troisième film. Ben déjà là, si on parle de jeux vidéo, il y a eu, c'est quoi, ça fait un an ou deux, enfin, un Ghostbusters sur les consoles plus récentes. Toi, tu connais pas ça, les consoles récentes, mais c'est comme... C'est vrai. Comme au Super Nintendo? C'était comme au super, super, super PlayStation. Play quoi? Ouais, en tout cas. Mais non, ce jeu-là a été bien accueilli par la critique. Je l'ai essayé, moi j'ai trouvé amusant. Puis ce qui est le fun, c'est que justement les voix des acteurs étaient là. Même celle de Venkman, celle de Bill Murray a participé. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir un Ghostbusters 3. Il en parle, oui, puis non. Puis Bill Murray est comme, ah, je veux pas participer, il est pas sûr. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Tu sais, il a joué dans Charlie's Angels, il peut bien jouer dans Ghostbusters 3 tant qu'à moi. Ouais, mais là, à la limite, je sais que dès que t'as fait un film raté, t'as pas le choix de faire toute la merde après ou n'importe quoi d'autre. Ouais. Ah, ben oui. Bon, ben, Colin, là, faut qu'on se rattrape, faut qu'on se reprenne. Ça fait longtemps qu'on a joué. Mm. Fait qu'on va essayer de trouver un autre jeu. Hey, il y a Super Smash Bros. Qu'on est supposé de faire au Nintendo 64. Le seul hic, c'est... Ça coûte cher. Chaque fois que je le trouve en brocante, il coûte à peu près 40 ou 50 $. Donc, si vous voulez envoyer vos dons, peut-être qu'on va commencer à penser à avoir une boîte postale. Si vous voulez nous prêter des jeux, on est super gentils. On peut même faire les chats. Triste.